En 1944, j'avais donc 13 ans. J'habitais au chemin des Mourdreux, un petit chemin qui borde la ville de Mons, mais qui est à l'extérieur. Et par ce chemin sont arrivés les premiers tanks américains qui arrivaient en ville. Donc la nuit du 1er au 2 septembre, nous l'avons passée dans la cave et nous entendions les explosions d'obus au bout de la rue, vraiment au-dessus, entre Aubourg et Yon, ils donnaient vraiment. Alors, pour nous distraire, maman, qui était dans la cave avec nous, nous a inventé de confectionner des petits souvenirs à donner aux Américains ou aux Anglais, enfin, on ne savait pas qui allait arriver. Et elle a ouvert sa grande tirelire avec toutes les petites pièces de 5 centimes en nickel qu'on avait mises à l'abri. Et nous les avons nouées, nous y avons noué un petit cordonnet rouge, un jaune et un noir aux couleurs de la Belgique. Et nous avons passé une énorme caissette de pièces. Et nous avons passé la nuit à livrer ceci. Dans la matinée, nous avons entendu arriver les tanks, nous ne nous y attendions pas. Et nous sommes allés jeter aux Américains qui nous libéraient des petits souvenirs de la Belgique. Je ne sais pas s'ils ont compris de quoi il s'agissait, parce qu'on ne savait pas leur expliquer. Alors, les Américains ont fait halte dans le chemin des Mourdreux, ils ont mangé, et nous étions étonnés de les voir se préparer des omelettes avec de la poudre d'œufs que nous ne connaissions pas. Elles étaient dans des petits cartons paraffinés, c'était vraiment spécial. Ils mangeaient des choses spéciales pour nous, qui sont courantes maintenant. Alors, ils sont entrés, certains soldats sont entrés dans la maison, et maman avait mis sur le mur le tracé du front, des petites épingles dans les localités et un petit fil qui rejoignait pour bien marquer. Elle avait un front comme ça de la Russie, de l'Afrique du Nord, toutes les cartes. Et ils ont regardé cette Mons, une Belgique. Oh, et ils étaient vraiment, mais France, ils pensaient qu'ils étaient encore en France. Et c'est là, devant la carte, qu'ils ont découvert qu'ils étaient en Belgique. Ils sont allés appeler les amis des autres corps. Ils ont défilé devant les cartes et ils ont vu qu'ils étaient en Belgique. Et encore. Et nous, nous étions vraiment fous, enthousiastes et heureux. Et, enfin, en tout. Je leur dis encore merci parce que c'est très émouvant pour moi. Ce qui était curieux, c'est de voir qu'il était facile de converser avec les Américains qui étaient là et qu'ils acceptaient de venir nous accompagner jusqu'au domicile. Moi, j'avais 16 ans et mon frère, 18, nous allions bavarder avec les Américains. Et tout de suite, ils étaient d'accord de venir boire un verre. Ça me faisait grand, grand plaisir. Je repense, je revis ça, c'est très émouvant. Très, Et très c'est bien. vrai qu'on les remercie vraiment encore.